Bonjour à tous, bel épisode de Hardcore Casuals, épisode 1 sur un nouveau jeu, Dark Souls Remastered. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais m'y coller, Greg, et je suis toujours bien entendu avec le fabuleux Chozo. Salut Chozo. Salut, et quel jeu ! Mais quel jeu ! Tu t'attaques à un monstre ! Oui, un monstre moi, après avoir... Ouais. Comment ça s'appelle ? Crash Bandicoot, Crash. C'était ouais. Du pipitcha à côté de ça. C'était du pipitcha à côté de ça. Mais bon, en même temps, je suis là pour montrer mon skills et, et puis prouver qu'en fait, j'en ai pas non plus. Donc, ça va être très, très drôle. Et donc, on se dit, bah écoute, pourquoi ne pas commencer de mon côté avec le plus gros jeu, hein, niveau difficulté, voilà. comme ça c'est fait. Et puis après, ça sera plus simple. Donc voilà, on est parti pour une série de 5 ans, je pense, sur ce jeu. Donc, j'ai jamais joué à aucun Souls-like. Donc ça va être très drôle. Chozo, toi, tu maîtrises un peu ou pas du tout ? Alors, je m'y suis essayé à Dark Souls, mais ouais. Je sais pas pourquoi, je suis passé à autre chose rapidement. Je ne devais pas être dans la... Je sais pas dans pourquoi, le... moi je pense savoir, mais... dans le bon mood à l'époque pour... D'accord. Pour vouloir continuer, mais un jour je le ferai aussi. D'accord, va. Déjà... On va voir ce que ça donne, hein, ici, ouais. Du coup. Alors, configuration, on va regarder un petit peu. Pour l'instant, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste lancé le jeu, j'ai mis à jour. Et je suis déjà en train de me perdre avec les configurations parce que le B pour valider et A pour annuler, ça me perturbe. Donc, bref. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Bon, tout ça, on va laisser tel quel, hein, au niveau des... Luminosité... Voilà, la flamme invisible, le dragon invisible. Ouais, ça m'a l'air à peu près bon. Voilà, ok. Configuration des boutons. Alors, courir, bon, c'est classique. Caméra, ça m'a l'air pas mal. Oula, changer d'arme, changer... Bon, ça, je pense... J'imagine qu'il n'y a pas de tutoriel. Non, c'est le principe. On te lâche dans la nature et tu te démerdes. Bon, écoute, j'appuierai un peu sur tous les boutons, ça devrait voilà, marcher. Voilà, tu verras trop, voilà. Un truc au hasard, voilà. Comme ça, sur un malentendu. Voilà. Ouais, on sait jamais. Bon, réseau, local, ouais, j'ai pas besoin de... Allez, on est prêt ? Ouais, et c'est parti. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Non, ça va être le fait, ça. Du coup, au moins, tu entends la musique du jeu, parce que, oui. Bon, coulisses, moi, j'entendais pas absolument pas le son de Crash. Ah, t'entendais rien du tout ? D'accord. Non, du tout. Donc, au moins, comme ça... Alors, saisir le nom du personnage. Eh bien, je suis... Oula. Ah oui, donc là, dans le menu, on peut utiliser... Ah, oui, d'accord. Déjà, rien que ça, c'est compliqué. C'est déjà technique. Bon, il s'appelait Greg. Alors, sexe. Énorme, non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas la taille, non. Ah, c'est ça, c'est pas aussi possible. Femme, homme, bah, c'est à peu près les mêmes. Hein. Il n'y a pas de nom binaire, mais quelle discrimination. Franchement, c'est bien un jeu japonais. Ça. Ouais. Classe, très classe. Ah non, alors. Mendiant, bon, ça c'est pour Draco. Bonjour Draco. Énigme nu. Claire, pyromancien, pyro du marais. Ouais, non, bah, c'est bon. Sorcier. Sale gueule, les deux. Chasseur, bandit, voleur, aventurier, chasseur, chevalier et guerrier. Et guerrier. Peut-être un truc un peu classique, hein, un truc qui soit bon un peu partout. Alors, ah oui, parce que assez j'ai équilibré. Pas fait gaffe que les stats ouais, sur le côté. Mais le chevalier, ça a l'air d'être assez équilibré quand même. Après, il y a un truc, j'y connais absolument rien, mais j'ai cru comprendre que les classes de lâches, c'est-à-dire
les mecs qui restent à distance, comme les sorciers, sont un peu plus avantagés niveau difficulté. Alors, je sais pas ce que... Ouais. Donc, mais nous, on est voir... pas... Voilà. Ouais, vraiment. Bah, bon. peut-être pas y passer 8 ans non plus, mais je regarde un peu... Après, je t'avoue que je sais pas trop à quoi ça correspond. Vitalité, volonté, dextérité, résistance, intelligence, foi, humanité. Bon, déjà, tout est humain. Enfin, bon. Un mendiant, mine de rien. Le mec à poil, il est 11 de partout. Bon, après, est-ce que j'ai envie de jouer d'un mendiant? Je sais pas trop. Alors, Claire, j'aime bien sa petite masse d'armes. Porte-masse, lance miracle de guérison, lance sort de feu, porte hache légère, académie draconique. Maintenant, il y a Draco dans un code. Ah bah, Draco, ça, on va pas prendre. Combat en mêlée, faible en magie, peut-être pas. Mm-hmm. Force élevée, porte grande hache de guerre, mais il m'a l'air un peu lourd. Mm-hmm. On dit, voleur, coup critique élevé, possède passe-partout. Ah, pour rentrer dans les portes un peu. Dans les portes, ouais. Ça peut être pas mal. Porte insulteur, dextérité élevée, aventurier. Chevalier novice. PV élevé, armure solide, difficile à renverser. C'est pas mal ça, non? Ouais, ouais. Cette dextérité. Ouais. Enfin, un chevalier, hein. On est un bon homme ou pas? Assez robuste. Allez. Ouais. Voilà. Alors, don, aucun signe de don. Bah, si, attends. Élixir de divine, restaure entièrement les PV et le statut. Explose dans l'impact, plus dangereux qu'une bombe. Petit esprit, parfois trouvé sur les carcasses. Longue vue, permet d'observer les endroits distants. Pendentif. Babiole sans effet. Souvenir agréable pour les voyageurs. Passe-partout, ouvre toute serrure basique. Équipement de départ pour le voleur. Anneau petit être. Augmente légèrement les PV. Anneau sorcier sans aucun point apparent. Bon. J'aurais dû lire un truc avant de me lancer. Pour savoir à quoi ça correspond et ce qui est le plus intéressant. Écoute, j'aime bien le passe-partout, ça. Je pense qu'ouvrir les portes, ça peut être pas mal. Qu'en penses-tu? Ça me va, ouais. Très bien. Allez. Physique. Moyen, mince, émacié, la peau sur les os, musclé. Ah bah, très musclé. Bah, ne passe pas inaperçu. Buste musclé et sec. C'est moi, ça. Énorme et sec. Tête large. Pourrait avoir une intelligence supérieure. C'est quoi ces critères d'un autre âge? Peu de matière grise, petite tête. Ok. Bon, écoute, buste musclé, hein. Très musclé. Oui, tant qu'à faire. Musclé. Au moins que tu dégages quelque chose. Si déjà t'es nul, au moins que tu dégages quelque chose de rassurant. Buste musclé ou jambes musclées? C'est vrai que ça fait un peu gonflé, quoi. Bon, on va rester sur musclé de manière générale. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Visage. Oui. Roturier. Fermier du Delta. J'adore ces noms. Visage commun du Delta. Des 5 doigts. Beau visage raffiné, commun dans Astora. Ligne droite et regard intelligent, mais souvent moqué. Érudit draconique, tu m'étonnes. Regard intelligent, non. Non, non. Non. Visage commun, réputé pour ses fidèles clercs. Il y a Draco encore. Dubitatif de Carré. Très sinistre, associé au comte de Carré. Ancien de Zena. Sinistre du Marais. Ah, c'est peut-être plus Draco, ça, que tout à l'heure. C'est encore plus dans une sinistre. Ouais. Ça lui va bien. Bon, écoute, beau au final, beau visage raffiné, on va rester assez proche de la réalité. Voilà, cheveux, alors rasé, dégarni, quelle aura. Vers l'arrière, queue de cheval. Ah, mais on a passé la catégorie sexe, non? Ah oui, non, c'est oui, ça. Oui, 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 oui. Ah, parce que j'étais sur queue de cheval. Ré au milieu, mi-long, bouclé au carré. Bon, on va rester court, hein. Il n'y a pas grand-chose. Alors, noir, châtain foncé, châtain clair, rouge sombre, bleu nuit. Pardon, argenté, violet foncé. Bon, on va éviter les couleurs un peu bizarres. Châtain clair. Voilà. Parfait. Personnaliser le visage, on peut aller plus loin que ça encore? Mais oui, ouais. Ah, visage similaire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, âge. Ah oui, d'accord, ça vieillit, ok. Je suis pas si vieux, elle a pas mal là, comme ça. Ça, c'est quoi ça? Je vois pas trop ce que ça fait ça. Tu vois une différence? Ah, c'est la couleur peut-être? Non. Je suis pas trop sûr de savoir ce que ça fait. Bon, on va rester là-dessus. Je vois pas non plus. Sexe. Ah, t'es plus ou moins femme. Ah, d'accord, donc si t'es femme, t'es joufflu, quoi.
on dirait un troll, quoi. C'est quoi ces critères? Qu'est-ce que c'est ces critères, là, con? Plus... Bon. C'est masculin si t'as le visage plus fin. Ouais, bon, on va rester comme ça. Peut-être. Déformation forte, non? J'ai l'impression qu'il se déforme plus. Ça change pas des masses. Ah si, quand même, il a les yeux à peu près du... Ah oui, voilà, c'est les yeux, d'accord. Bon, en fait, vaut mieux se déformer et être plus humain, quoi. Bon, très bien. Donc ça, ok, on est bon. Ok. Bon, alors, retour. De toute façon, avec ma couverture... bon, bah écoute, je pense qu'on est bien. On va partir là-dessus. Allez. 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 On est parti. In the age of ancients, the world was... Est-ce qu'on suit l'histoire un peu, parce que... Bah, pour le coup, ça pourrait être pas mal. Hein? Ouais, quand même. Allez. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart western skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ah ben super. Bah, quelle mise en scène, c'était bon. Ouais. Sortisé par les mages armés d'épée. Mais bah, ça me concerne pas, je suis pas un mage. Ouais, non, c'était sympa comme introduction, bon, ça a l'air assez classique. Ouais. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land,
The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. The end of the world. Wow. C'est moi ça? This is your fate. Wow, c'est toi? Oui, ça doit être toi. Ouais. Ah, sympa Laura. Et ben voilà, super. Yeah. Excellent premier épisode, hein, on va s'arrêter là. Allez. Dans deux semaines. Bon. Dans deux semaines. Allez. Pourquoi j'ai la gueule tout écorchée là? C'est pas ce qu'on avait décidé. Ah, t'as été cogné, on t'a blessé. Ma foi, bon. Alors déjà, ça c'est quoi? Fouiller le cadavre. Voilà. Toujours, hein. On voit bien le regard intelligent là. Oui. Ouais. Ah d'accord, donc j'ai juste mis un coup de... Ah attends, déjà j'essaie de voir comment ça fonctionne. Je vais rester dans ma cellule. Alors A, ça m'a l'air d'être pour sauter, esquiver. B, ça fait rien. Y. Ok. Ok, petit coup de... Ok. C'est quoi ça? Ok. Ouais, c'est ok, d'accord. Ça c'est la garde. Ça c'est l'attaque. Ok. Ça c'est l'autre attaque. Oula. Ah oui, d'accord. Il y a une jauge en haut qui s'active, très bien. Donc, garde. Ça, c'est quoi? Allez, ça, c'est... Merde, j'ai perdu mon épée ou... Je crois que je viens de jeter mon épée. Ah non, elle est là. Okay. Bon, ok. On va sortir en haut. C'est les clés des oubliettes. Est-ce qu'on a un menu? Un inventaire ou quelque chose? Je me souviens, c'est très austère. Ah oui, ça c'est... Non, ça c'est le tutoriel, non? Ah non, ça c'est... d'accord. Ah mais ça c'est pour le... Ouais, d'accord. Faire signe, ok, changer... Déjà. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, d'accord, ça c'est... Chercher, utiliser l'objet, changer équipement, afficher statut, configurer option, quitter... Je peux pas entrer là. Ah, faut que je sorte du menu. Coup de pied, mais ça fait rien. Lire le message. Commande de caméra. Lire le message. Ah, c'est tout. D'accord. Ah, ok, donc il y a quand même un petit tutoriel qui me dit. Toucher la tache de sang. Parce que c'est une bonne idée ça. Le message, attaque. Je l'attaque lui. Ouh, allez, essaye. Hey, hey, wow. J'ai battu mon premier ennemi. Quelle dextérité incroyable. Ah, ouais, d'accord. Tu shoot là, tiens, prends, tiens. La physique des cadavres elle date de 2012. Hein. Oula, lui. Ah, je me souviens que tu, à un moment donné, tu tombes droit devant lui. Et t'es là, t'es... Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive assez vite. Attaque puissante. Boum. Il y a de l'XP, c'est de l'XP en bas ou... Je vais lire le message. Maintenir et A sprint. Ok. Parce que j'ai envie de courir, vraiment. Bon, ça sert à rien. Ok, encore un message. Déverrouiller la cible. Ok. Bon. Ah oui, d'accord. Ok. Bien. On va aller dans l'eau. Ouais. Voilà. Bon, ils sont pas très dangereux, les gars.
Pour l'instant, ça va, il bouge pas, donc j'aime bien quand c'est comme ça. Pour l'instant, c'est à mon niveau. Bon. Ok, bah, grimper, hein. Allons-y. Il est déhanché de monter d'échelle. Est-ce qu'il y a des objets là ? Chouette animation, ça. Ouais. T'as dû prendre la femme joufflue, du coup. Repos près du feu, rétablissement. Ah, où est-ce qu'il y a un feu ? Tu vois un feu ? Ah, c'est ça le feu ? C'est ça où il y a l'épée, non ? Allumer le feu. Voilà. Le feu est allumé. Se reposer près du feu. Cliquer, sélectionner. Cliquer, ok. Très bien. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a des trucs à explorer un peu ? Rien. Ah, donc ça, c'est la jauge d'endurance en fait, la barre verte en haut là. La verte, c'est l'endurance. Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Parce que dès que je cours ou que je mets une attaque, ça descend. Ok. Parce que là, ça va. Bon. Ça sent l'arnaque, ça, non ? Une grosse porte comme ça là. Vas-y. T'entends les pas lourds ? Ouais. Ouais, poche. Ouais. Ça, je sens que si je. Ouais, c'est ça. Si je tombe, ça va me faire tomber dedans, c'est ça ? C'est ça. Mais jamais ils ont mis un petit message exprès à côté pour. Ah non ! Boum, le voilà bien. Putain, il m'a déjà touché. Je te propose de te barrer. Mais je vais lire le message quand même. Ah, ça me tombe. Ah, c'est jamais. Ça se trouve, c'est le samedi, comment le. Fuyez ! Fuyez, voilà. Super. Il est au moins, ils sont sales. Verrouillé. Ah, merde. Bon, on va passer de l'autre côté. Ah. Ouf. Boum. Voilà. Ah, un autre feu. Excellent. Le feu est allumé. Ah, c'est hommage à Johnny à chaque étape. Pensez bien, au moins il me redonne de la vie. Alors, j'imagine qu'il faut continuer par là. Récupérez votre bouclier. Ah, c'est une bonne idée ça. Il y a quelque chose dans l'eau. Où est-il, mince. Ah ! Enfoiré. Ah, t'as pris. T'as pris une flèche en plein cœur. Et je peux pas l'enlever. Salut. Ah non, c'est bon. Yep. Ah, mais comment je l'esquive ? Parce qu'elles sont magiques, mais je crois qu'il te faut ton bouclier. Un rempart. Ah voilà. Voilà. Comment je l'équipe ? Oui. Attends, je vais ressortir. Dans le menu. Ah ! Attention, t'es visé. Rechercher, utiliser, changer équipement. Ah, changer équipement et tu. Bah, je l'ai pas pris. Bouclier. En gauche. Objet utilisable. Ah voilà, rempart. Voilà. Du coup. Non, tu l'as pas, l'outil. Je l'ai pas. Bah si, pourtant il est là. Sélectionné. Ah bah voilà. Ah ouais, mais. Pourquoi il s'équipe pas ? Retirer objet. Ah mais c'est parce que je suis toujours dans le menu. Attends pour moi. Ah voilà. Ah voilà. Là tu peux y aller. Hé hey ! C'est moi le malin là. Ah il se barre là. Attends je vais... De gros ça. Lâche. Il se barre. Reviens. Ouais parce que c'est pas un piège. Pas malin. Il est pas malin. Il n'ira moi non plus. Oh merde. Bravo, bonne visée. Bien. J'ai plus d'endurance. Mais des petits coups quoi, de fin de coup. Mais... T'as pas le coup simple ? Oui, c'est ça le coup simple. Il est lourd. Oh ce combat. Il essaie encore de balancer des flèches. Et toi, t'as un point fixe à taper, mais t'y arrives pas. Allez, voilà, encore. T'es bien long en plus, il est résistant ce coup. Bah ouais. Allez. Et je peux pas taper la super attaque, j'ai plus d'endurance. À force de taper dans le mur. La technicité de Dark Souls résumée en une action, regarde-moi ça.
Voilà, là, on ah, mais arrivé. Là, c'est du grand jeu. Là, on est sur des chefs-d'œuvre. Regarde-moi ça. Voilà. Or pas. Non. Mais non, mais. Sa barre de vie, elle descend, mais. Sa barre de vie, elle Ah, je vais pas traverser le bon recule voir un peu. Si, si, ça descend là. Ça descend. Voilà, c'est pas normal qu'il prenne autant de. C'est parce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, Dark Souls, je meurs pas, mais. Je tape pas les murs. Allez. Ah, j'ai pu mettre un coup de pied. Ah, c'est pas mal ça. Allez, presque. Oh, oui. Mais quel âge. Allez. Il va crever. Encore un. Oui. Oui, c'est wow. Bon. Oh. Bon, magnifique. Alors, j'espère qu'il va pas respawn quand même. Je vais aller chercher ce que j'ai loupé en bas, je sais pas s'il y a pas des trucs. Et j'imagine que j'irai traverser le brouillard ensuite. Ah, qu'est-ce qu'il me dit lui? Sélection arme, sélection objet. Ah, est-ce que j'ai des objets, tiens? Non, j'ai pas d'objet. Fouiller le cadavre. Épée large. Ah! Ça peut être bien, non? Épée large. Ouais. Parce que par contre, ça va être un peu lourd, un peu lent à manier, non? Moi, je suis déjà lent avant, donc. Voilà, je suis déjà là avant, donc. Ça va pas changer grand chose. Épée large. Ah oui, ça tape bien plus fort. Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Ah, c'est un peu plus de gueule, quoi. Alors. Ah là, là, j'ai une épée au moins, qui a une tête d'épée. Quoi. Mais rien. J'ai rien loupé, tu peux. Je t'avoue que je sais pas si c'est un jeu où faut chercher les petits détails, les petits trucs. Ouais. Chercher les petits bonus. Lui, il me donne pas un truc, le cadavre. Ah, il y a encore des messages là. Icône d'armes, changer d'équipement. Comme bouclier gauche est équipé, garde. Donc ça, j'avais compris. Du coup, ça donne un coup pour repousser l'autre. Bon, bah, on est pas mal, je pense qu'on va pouvoir sortir. On est pas mal. J'aimerais bien avoir un petit feu là pour. Ah, si je retournais au feu, non, pour sauvegarder. Tu peux, ouais, je pense que tu peux. Ça évitera de se retaper le. le mort-vivant là qui m'a pris 2 heures. J'imagine que ça sert à sauvegarder, parce que je dis ça, mais. Ah oui, oui. C'est juste pour se soigner, ça. En tout cas, je suis soigné. Ah merde, il est revenu. Putain. Ah bah voilà. Et ça parti pour un quart d'heure. Ah mais non, j'ai une épée large. Bah là, du coup, je peux marcher. Parce que comme ça, j'aurai mon endurance et je vais lui mettre des gros coups d'épée dans la douche. Ah bah voilà, il est mort en 2 coups. Ah, on fait moins le malin là, hein? Hein? Hein, cadavre? Tiens, je te respecte pas. Voilà. Allez, traversons le brouillard. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Pas en arrière, roulade. Ah oui, la roulade, elle est. on y a plus qui se. C'est pas de la roulade très agile, hein? Bon, droite ou gauche? Parce qu'il y avait le monstre là tout à l'heure en bas, non? Il y avait le monstre avant, ouais, donc plutôt éviter. Ouais. Ah, il y a un truc là. Je peux pas sauter? Il saute pas. C'est assez sombre, hein. Je vois pas grand chose, hein. Château. Sprinter un petit peu là, parce que c'est un peu long. Château vieux. Oui. Il y a un message. Voilà. Ah, on peut monter par là ou descendre. On va remonter, hein, du coup. Ouais. Ah. Ah hein, merde, y'a quoi là? Qu'est-ce que tu nous as fait? Bah, il y a un boulet qui m'a. Ah merde. M'a bouleté, quoi. Bah, du coup, je retente. Ah l'enfoiré! Bim! Oh, il m'a mis 2 coups d'épée, j'ai déjà bien pris cher. Hein. Ouais. Allez, hop, tu descends. J'ai essayé d'esquiver à un moment donné quand même. Ouais, mais en même temps, je savais pas qu'il allait y avoir un truc. Ouvrir. Verrouiller. Ah bon, bah. Super.
Bon, on va redescendre, on va prendre les escaliers du bas alors. Ça fait marrer à chaque fois qu'on met des... Ah, ça c'est ouvert. Oh, mais là du coup on va revenir où on était tout à l'heure. C'est là où il y avait le... il y avait les gros là, non? Bah ouais, ouais. Et en même temps... Oui, c'est pareil. Le message. Repos près du feu, rétablissement. Ah non, mais oui, c'était... j'étais là. Ah non, on est revenu dans la salle d'avant. Okay. Bon, on retente la porte ou... Ben ouais, vas-y. T'as pas trop le choix, je pense. Ouais, parce que je suis allé un peu... verrouillé par un genre de mécanisme. Ah, ah bah voilà, c'est verrouillé, donc... est-ce qu'il y a autre chose... Ah, c'est pas un mécanisme, ça? C'est pas Zelda non plus, hein. Là, le message. Ah, là, je reviens où j'étais à l'intérieur, là. Ouais. Ça, c'est de là où on vient. Mais reviens voir. À droite. Attends, mais... Donc, mec. Tu veux dire revenir retourne voir là où tu... Où... Attends. Non, là, tu peux pas passer. Ouais, mais je veux voir, il y a plein de trucs, genre, sur les statues. Je leur mets un coup dans la tête. Allez, je suis un bourrin, moi. Bon. Non, 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 mais je vais remonter l'escalier. Reprends de là où tu étais, remonte. Ouais. Là, la porte est ouverte. Ça, c'est bon, c'est bon. Ah, mais là, du coup, le mec, il va revenir, non? Celui qui m'a poussé tout à l'heure. Il y a des chances. Non, non. Si. Si, il est là. Ah, il est là. C'est bon. Vas-y, avance un peu. Ouais, mais là, il me dit verrouiller. Il sait verrouiller. Et à droite, t'as quoi? Non, des coups de roulade, non. Non. Ah, bah à droite, c'est l'escalier d'où je viens. Là, est-ce que je peux pas mettre. Là, non, non plus. Je sais pas. Ah, c'est au milieu en même temps. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Lire le message. Ouais, par où là, dans l'arrière. Enfin, je viens de là, en même temps, peut-être de ce côté-là, a... j'ai peut-être loupé un truc. Ouais, bah c'est ça, là, c'est le passage de tout à l'heure, mais... Y a pas de bouton escalade. Non. Ah, ouais, il monte un petit peu, on dirait, mais... Action, il y avait non, pas action tout à l'heure. Je fais un petit coup de... Ouais. Il passe rien. À mon avis, faut... Ah putain, il y a que trois salles, donc je comprends pas trop ce que je vais louper là. Il y a pas un truc. Ouais, rien. Ouais. Attends, où était le gars avec son arc là? Déjà. Le gars avec son arc, il là, était... Là, t'as pris un quart d'heure à buter avant. Ouais, il était juste en bas là de ce couloir là. C'est quoi ça? Dans l'autre sens. Ah, ici. Il était par là. Parce que je l'avais coursé jusqu'en haut. Ouais, c'est là, ça. Il doit être en bas là. Il est là, là, tu vois. Il est là. Merde, je suis trop loin. Non, non, on n'a pas loupé un passage par là, là, quelque part. Par là? Ah non, mais ça je l'ai vu tout à l'heure, c'était les changer d'icône. Ça, c'était, enfin, oui, changer rien. De... C'est juste pour l'aide. C'était la flamme de tout à l'heure, et puis après, bon, on revient encore plus loin, ça m'étonnerait que le mécanisme soit plus loin. Ouais. Là, il n'y a plus rien. Bon. Du coup, on avance. Donc, ça, c'est ce passage-là. Passage. Il y avait un truc là, c'était quoi? Sélection arme, sélection objet. Ouais. Ah, parce que j'ai pas un objet que j'aurais loupé peut-être. Enfin, j'ai regardé mon inventaire. À chaque fois j'appuie sur les mauvais boutons. Cristal divin, banni, spectre, retour au foyer, perte d'humanité, dame et retour au feu. Ouais. Passe-partout. Clé des oubliettes. Le donjon du refuge des morts.
Ah, mais est-ce que je peux pas l'équiper, ça, par exemple? Essaye voir. Comment j'équipe? Caractéristique. Je peux pas l'équiper? Non, c'est pas ça. Changer équipement, afficher statut, configurer option quitter. Afficher statut, non, ça c'est juste. Ça c'est ça. Changer équipement. Ah, bah peut-être là si je. Ah, voilà, si j'équipe. Perte d'humanité, non, ça j'ai pas envie de le faire. Ça c'est quoi ça? Carreau, flèche, objet utilisable. Ah non, ça c'est ce que j'ai pris au début, non? Ou c'est ouais. Les nouveaux trucs? Mais ça, je peux pas les équiper pour l'instant. Et du coup, le passe-partout, là, il s'équipe pas? Ça se fait automatiquement? Ouvre, serrure, ça. Je pense que c'est... Ouais. Je pense que c'est automatique, quoi. On a dû rater un passage, quelque chose, c'est pas possible. Alors, on va remonter. Alors, on remonte. Ça se passe rien si je mets des coups là-bas. D'accord. Voilà. Non, ça marche pas. Et si je saute directement? Vas-y, bah non, là, descends, ça me pas. Bah non, bah je vais peut-être prendre les escaliers. Ah oui, non. Bah. Ouais. Ouais, parce que j'imagine qu'il va me faire perdre de la vie si je fais ça. Ah! Attends, y'a pas un truc là? Ah! Ah, bah on est pas venu là. Oh, non. Parlez, oh, vous n'êtes pas une carcasse, n'est-ce pas? Grâce au ciel. J'ai peur de vous. Je vais mourir, pas quoi. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, you're both undead. Hear me out, will you? Bah, écoutez, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Ah, sympa. Oh, and this. Oh, super. Now I must bid farewell. Merci, monsieur. I'd hate to harm you after death. So go now. And thank you. Bah, j'aurais bien voulu aussi lui voler son bouclier. Non? Utiliser objet. C'est vrai que là, tout de suite, là, il n'a plus trop besoin. Ah bah voilà. Ah bah il s'est barré. Et son bouclier? Il l'a gardé avec lui? Ah le... Cochon. Bon, utiliser objet. Ça sert à quoi les... Je vais peut-être lire à quoi ça sert. À remplir, juste rendre des PV. Ah d'accord, ok. Super. Du coup, bah, maintenant que j'ai la clé, peut-être que ça va permettre d'ouvrir la porte. Ouais, tu peux essayer, ouais. Essayer ça. Du coup, on va redescendre. C'est bien, on avance. On est bien, on progresse. Ouais. Vas-y, on progresse. Alors, ouvrir. Hein? Ah, mais je suis toujours dans le menu. J'entends les pas, ça me fait un peu peur. Verrouillé par un genre de mécanisme. Bah non, ouais, toujours rien. Alors du coup, on progresse, mais on progresse pas vraiment, en fait. Bon. J'ai oublié un truc. C'est pas possible. Ah, peut-être que cette porte-là, elle peut s'ouvrir, maintenant. C'est celle-là, voilà, c'est celle-là. Magnifique. Alors, lire le message. Manier l'arme droite à deux mains. Oh. Ah, mais si j'ai mon bouclier, du coup. Ça fait rien. Frapper. Oula. Attaque plongeante. Ouais, mais ça, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Sans le savoir. Repos près du fait, ravive les ennemis. Ah, bah, ferme, on avait remarqué. Ah! Couché. Boum. Là, ils font un peu. Ah! Sur un encore un. Ah, et l'autre avec son arc là-bas. Il est trop fond là-bas. Et tire.
la mécanique, elle est la physique du truc. Pendant la chute, attaque tombante. Ok. Mère ennemi, coup critique. Ah, ça c'est bien ça. Parade, repousser une attaque ennemie. Après une parade, riposte. Super. Oula, il m'a l'air un peu dark lui, non? On va tenter, hein. Ouais, il a un bouclier, il y a pas besoin de vous. Oula. Monsieur, j'ai un bouclier. Je l'utilise pas, mais... Je peux pas utiliser, je peux pas voler ses armes. Voilà. Ouvrir. Verrouiller. Ça sert à rien ce passe-partout, là. Ah, qu'est-ce que ça me dit? Toucher la tache de sang. Ça sert à quoi de faire ça? Aucune idée. Il est pas fait encore hein. Bon. Du coup, il se bat avec toi, non? Il se bat pas avec toi, non? Ah non, il fait une petite. Il se promène. Truc, mais je t'avoue que je sais pas à quoi ça correspond. Faudrait que je cherche hein, d'ici la prochaine fois. Bon, j'avais pas oublié un truc. Ah oui, voilà, le brouillard. Bah, du coup, on va tenter. Hein. Voilà. Vas-y. Ah ouais, et du coup, là. Ah! Est-ce que je lui sauterai pas dessus? Essaye voir, mais est-ce que Trey va le buter d'un coup? Ah ouf. Ah il saute. Waouh. Bon bah... Bah je suis mort là. Voilà. C'est mort. Bah voilà. Bon. Première mort. Bravo. Talisman de Lloyd. Ok. Bah merci, merci, merci. C'est... Est-ce qu'on doit vraiment attaquer ce bestiau là? Bah je sais pas, il m'a donné le... l'information comme quoi... Comme quoi, on pouvait attaquer de dessus. Et bon, ah, on va remonter. Je sais pas du coup à quel moment il m'a fait respawn là. Voilà, celui-là tu l'as maîtrisé. Celui-là ça va, je commence à comprendre. Il y en a voilà. Plusieurs. Ouais. Ça fait un peu d'entraînement. Repos sensé. Allez, hop, on va essayer de parer. Ah, j'ai pas réussi. Allez, viens, suivant. Ouf, voilà. Ouf, dans les couilles. Ah, merde. Ouais. Hein? Mais j'ai protégé pourquoi? Ah, voilà. Ça va, il n'y avait plus rien là-bas. Oui, mais si je voulais juste lire derrière un ennemi, coup critique, parade. Ah, si j'envoie ça, il va attaquer. Ah non, je suis peut-être qu'il va attaquer le méchant. Mais... En fait, non. Hop. Yes. Bon, du coup, ça c'est t'as bien. Quand même mis, t'as quand même fait mal. Ouais. Il m'a quand même fait mal, ouais. Parade, où c'est que j'ai vu ça tout à l'heure? Lire le message, derrière un truc. Il me semble avoir. Ah là, pendant la chute, attaque tombante. Récupérer le pouvoir perdu. Ouais, c'est quoi ça? On va essayer, hein. Je vois pas trop, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Hein. On n'a pas le choix. Mais en fait je tape à côté. Ah non, je suis dessus là. Ah ouais, je l'ai bien eu là. Bon, cours maintenant. cours. Déjà je lui ai enlevé la moitié de sa vie, c'est déjà pas mal. Ceci dit... Tiens. Ça fait mal. C'est une touche. Est-ce que je le touche là? Ouais, je le touche. Allez, cours. Là, touche pas. Bah, là, c'est lui qui m'a touché. Là. D'accord. Ah, bon, là, pas terme. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est pas maniable. Ah, bah, t'es super lent avec. Ah, là, tu l'enchaînes deux. Ah, attends, un peu. Attends, un peu.
Ouais, mais bon, ça ne sert à grand chose. Ceci dit, si il détruit tout le décor, ça va être plus simple à voir. Ah! Vas-y maintenant. Ouais, ouais. Ah, non! Dégage! Ah, j'ai roulé! J'ai pas roulé. Si, t'as eu, t'as eu. Bon, bon, bon. Bon, je crois que ça va être l'objectif du jour de finir le premier boss. Voilà. J'essaie de buter cette saloperie. Ça va être pas mal. Bon. Après, je peux aussi utiliser mes objets. Je ne les utilise pas pour le flex. J'ai peut-être pas besoin, tu vois. Parce que j'ai mes fioles d'estus. Elles sont censées me rendre de la vie. Bah ça, oui. On va faire ça. J'ai une idée. Ah. C'est une idée. Ah, voilà. On n'est pas obligé de jouer en mode hardcore dès le début. Je ne le souhaite pas, moi. Bon. Tu vas prendre. Voilà. Après, je suis peut-être pas obligé de taper tout le monde à chaque fois. Hein. Je suis en train de me dire. Ouais, en même temps, c'est encore deux coups, trois coups à chaque fois. Ouais, bon. On va y aller. Mais c'est juste pour m'entraîner avec le bouclier. Voilà. Hop. Il était un peu plus violent. Voilà. C'est bon. C'est l'XP en bas, non? Ça me fait plus 60. Oui, 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 c'est l'XP, je pense que c'est ça. Et du coup, est-ce qu'elle s'accumule même si je meurs ou... Même si je meurs, elle reste ou... Ou elle repart à zéro? Peut-être regarder ça. Là, je suis à combien, là? Ça dit quelque chose ou pas? Sûr. Sûr. Explication. Ah bon, oui, alors ça, j'avais compris. C'est pas ça que je voulais qu'il m'explique. Défi affichage. Explication. Niveau indique la progression du joueur dans son ensemble. Ah voilà, détermine les PV. Emplacement de sort, détermine endurance. Et... Ok. Bon, pas sûr que ça soit très, très utile. Du coup, si je refais explication, voix immaculée, non du tout. Disparaissent à la mort du personnage. Ah, okay. Ah, donc c'est ça les points que j'ai récupérés, ça. Ça disparaît, mais je sais pas à quoi ça sert, ces âmes. Bon, alors, et puis tout ça, bon, après, ça c'est les classiques. Bon, ça on verra, je lirai séparément. Mmh. Voilà. Bon, on va réessayer. Alors moi j'ai toute ma vie, je vais essayer d'utiliser les objets si jamais... Allez. Ah, mais je suis toujours dans le menu, à chaque fois j'oublie de sortir du menu. Allez, go. Yeah. Ah là, c'est bon, après ça, c'est... Yeah. Yeah. Ah, je peux récupérer mon pouvoir. Hop, on les a récupérés. Ah voilà, 640, t'as vu en bas, mais... Ouais. Du coup, ça vaut le coup. Ah, j'ai couru. Oh, l'esquive. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de... d'endurance. Parfait. Ouais, ouais. Touché la tache de sang. Mais ça sert à quoi, ça? Bon, j'ai touché, on va voir. Oula. Ah oui, il m'a fait un petit saut. Ah. Bon, je vais prendre une fiole, hein. Moi, je vais prendre un peu. En fait, j'essaie de voir ses patterns, mais je comprends pas. Là, il m'a pris. Là, il m'a fait. Bon, petite fiole. Ah, où suis-je? Fiole. Pourquoi il me prend pas la fiole? Ah! Mais je suis mort, j'ai pas pu prendre la fiole, pourquoi? Pourquoi il prend pas la fiole? J'ai fait la fiole pourtant. J'ai pas compris. J'en ai absolument aucune idée. Ah, on va lire le menu. Parce que là, ouais, j'ai plus bougé, du coup j'attendais de voir comment on prenait l'objet. Configuration, des boutons... Changer objet, non? Ah, utiliser objet. Y. Ah, bah d'accord, j'ai absolument pas appuyé sur Y. Bon. Je continue d'appuyer sur la croix du bas, en fait. Il ne servait à rien. Bon, ce qui ne servait. Allez.
On est arrivé. Je sens que c'est la bonne cette fois. Allez, chevalier. Il faut que je récupère mes points, par contre. Comme ça, j'ai compris que c'était important. Allez, attaque-moi, toi. Voilà. Hop. Bim. Et où le deuxième? Allez. Le deuxième, il aime bien courir, hein. Ah, il est pas mort. Oh, c'est bizarre, ça. Je me demande si, si ça fait quelque chose de taper un endroit particulier du corps. Oui, je pense qu'il doit y avoir un endroit avec des dégâts. Après, à savoir lequel. Vulnérable. Bon, jusque-là, ça va. Alors, traversons le brouillard. Il faut que j'appuie sur bas et ensuite sur... Bim, prends ça dans la gueule. Ah merde, bah du coup j'ai appuyé sur prendre là. Bon, je vais aller chercher mes... Ouh, j'ai sauté, je sais pas comment j'ai fait. Où est mon pouvoir? Tapez. Gaffe. Voilà. Non, ça c'est bon. Bon, jusque là ça va. Allez, maintenant... Attends, on va voir un peu comment je meurs. Là il meurt. Est-ce que je bloque avec le bouclier? Donc il balaye et deux fois, et trois fois. Le bouclier ne boucle rien. Là par contre je suis en train de faire... Hop, j'ai pris un petit coup de... Ah, mais... On voit rien là, c'est quoi cette caméra en carton là? Y'a pas des petites fées dans les jars là? J'ai compris des petites filles, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec des petites filles dans les jeux? Non, des fées, des fées! Oui, non, mais oui. C'était une référence à Zelda! Oh là là, tout de suite! Allez hop, petite potion, parce que je sens qu'il vient me taper. Ouais, puis... Oh bah non, t'as rien pris. Hop. Encore une fois. Tu vois, tu fais des roulades, c'est ce qu'il fait. Et là, c'est tout là, droit. Là, il m'a... Là, il balaye deux fois. Hop. Ah mais... C'est mal, hein. Bon. Bon, je peux pas l'attaquer à distance, hein, parce que là, j'ai plus de fioles. Regarde, de... quand tu frappes tout droit, il y a un certain temps où là, tu peux... Ah, mais le problème, c'est que je suis super lent, moi, aussi. Ouais. J'ai été resté un peu à cause. Vas-y, maintenant. Ouais. Ah, je t'attends à côté. Ah, roule. Gaffe, c'est bon. Gaffe. Ah, si je reste derrière un peu. Ah, sur le mauvais bouton. Ah, si je l'ai coincé. Allez, dans le cul encore. Je vois rien. Je l'ai eu. Ah, tu l'as eu. Incroyable. Bon, à l'aveugle. Vous avez vaincu. Fait du gant pèlerin. Ah, bah voilà. Alors, professionnel du jeu vidéo ou pas, là? Non. Bon. J'ai plus de... T'as plus rien, t'as plus de fiole, t'as plus rien. J'ai plus rien, bon du coup on va se reposer. Hein. Et ben voilà. Écoute, j'ai envie de te proposer d'arrêter là pour aujourd'hui, vu qu'on a fait une bonne petite heure, et on a fait le premier boss. Ça semble être un bon moment pour s'arrêter, et puis comme ça on pourra reprendre la prochaine fois. On a battu un premier boss, mais finalement c'était pas si ardu. J'imagine que ça, normalement, ça prend 10 minutes. Ça nous aura pris une heure, mais... On va commencer à cracher du sang plus tard, mais pour l'instant... Voilà. Pour l'instant, c'est raisonnable. Encore raisonnable. Pas mal, mais on sent le côté un peu lourdingue, un peu lourd des mécaniques de jeu, quand même. Après, je sais pas si c'est parce que ça date de 2012 ou c'est parce que c'est la classe de personnage que j'ai choisi, mais... Certainement, ouais. Parce que vu l'armure que tu as, tu dois être vachement lent quand même. Pas très agile. Je peux comprendre que les magiciens, quand je vois ça, les mages et les sorciers, je pense qu'effectivement, ça doit être un peu plus simple à jouer. Ah ouais, tu peux attaquer à distance, ça doit être pas mal. Ouais, tu peux attaquer à distance, quoi, donc... Ça va être beaucoup. Voilà, bon. Voilà.
on est là pour souffrir, hein, on est pas là pour... On baisse. pour être raffiné. Bon, eh ben écoute, merci Chozo, merci à tous. Mais merci à toi. Voilà, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. On like, on... La cloche, l'abonnement. Commente, la cloche, hein, tout ça. N'oubliez pas de regarder le Patreon, les vidéos. Le machin, enfin pas du tout. On n'a pas de Patreon. Patreon qui n'existe pas, donc voilà. C'est le PayPal, hein, voilà. Le PayPal. Je vous envoie les adresses en privé. Comment ça s'appelle les machins comment ça s'appelle? Ah, les trucs... L'OnlyFans de Chozo. Le truc de... À envoyer en Côte d'Ivoire, là, dans les cybercafés. Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Ah, je le sais pas. Le truc que t'achètes au débit de tabac, là, tu sais? Non, je sais pas, non. Bon, laisse tomber. Je sais pas ce que... Voilà. Bon. Tu fais tes arnaques de ton côté. Ça ira. Oubliez tout ça. De toute façon, on n'est pas monétisé, donc ça ira, mais... Ouais. Voilà. Bon, sur cette conclusion, en carton, on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Allez, ciao tout le monde.